Pascal Beauvais, qui est un sauteur jeunesse depuis une dizaine d'années à la Côte d'Échelle. C'est quoi le dernier livre qui est sorti? Le dernier livre qui est sorti, c'est dans la collection Réaliste et Bélélia. Alors, c'est le film de Bélélia qui est sorti l'an dernier pour le Salon du Livre de Québec. En fait, c'est quoi un peu le résumé de l'histoire? Bien, toute la série Réaliste et Bélélia, parce que ça, c'est le quatrième. Ça se joue avec deux personnages. Il y a Alice, qui est une petite fille de mon âge, qui est très rigolote, mais qui est très active. Alors, comme tous les enfants très actifs, il arrive souvent des drôles d'aventures. Des fois, tu es un peu dans le pétrin. Et puis, elle est toujours dans l'action, ça, c'est certain. Et puis, quand il arrive des problèmes qu'elle doit résoudre rapidement, souvent, elle va s'inspirer d'un personnage qu'elle aime beaucoup, super Bélinda. Bélinda, c'est une héroïne de l'espace qui, contrairement à Alice, est très, comme tous les super-héros, disciplinée, organisée. Sa vie est vraiment toujours parfaite, comme un super-héros. Puis Alice, elle s'inspire de Bélinda pour régler des problèmes. Alors, dans le virus de Bélinda, c'est un peu différent parce que là, c'est... En fait, Bélinda, c'est l'émission de Bélinda, et puis il y a une grosse tempête à l'extérieur. La tempête est tellement grosse qu'il y a une panne d'électricité. Alors la pauvre Alice ne peut pas écouter la fin de son émission. Elle est bien découragée, fait qu'elle regarde son papa et elle lui dit « Est-ce qu'on pourrait inventer la fin de l'histoire ensemble? On ne peut pas se coucher sans savoir ce qui va arriver à Bélinda. » Son père, au début, il n'est pas certain. À un moment donné, il embarque vraiment. Il devient la crapule méchante qui en veut à Bélinda. Puis Alice, elle joue à Bélinda. Puis finalement, ils ont quasiment plus de plaisir que d'écouter l'émission. Et puis c'est un peu ça l'histoire. C'est toujours un peu des choses comme ça qui arrivent. Dans un autre, c'est la fête de son père. Puis la fête tourne un peu en catastrophe. Le gâteau se ramasse par terre. Ça va tout un peu de proche. Et puis là, tout à coup, Alice, elle se rappelle qu'est-ce que Bélinda avait fait la veille. Ça l'inspire. Puis elle arrive à sauver la situation à la dernière.